Bienvenue, les amis de la passion ludique, et bienvenue dans ma forêt. Qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est Forêt Mixte. Un tout nouveau jeu, paisible au possible, de création d'un espèce d'écosystème forestier. Je ne vais pas vous expliquer les règles, parce que ce n'est pas le but de ces vidéos. Je vais simplement vous proposer d'essayer ce jeu. Ce jeu, c'est quoi? Ce sont des cartes que vous piochez. Ce sont des arbres de tout type, avec certaines conditions, que vous posez. Et autour de ces arbres, vous allez pouvoir poser des animaux. La particularité, c'est que les cartes que vous avez en main sont divisées en deux. Les animaux, à gauche à droite, d'autres animaux, en bas en haut. Vous avez compris, chaque carte vous donne deux possibilités. Poser à gauche, poser à droite, poser en haut, poser en bas. Et en faisant ça, j'ai expliqué déjà quasiment toutes les règles. Pour poser les cartes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les payer, et on les paye en défaussant nos cartes, simplement. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de piocher pour pouvoir défausser. Les cartes qui coûtent plus cher à défausser, évidemment, vont marquer plus de points. À la fin, on marque des points, et on essaie de voir qui est le plus fort. Ça, c'est les règles. C'est vite expliqué, c'est le but de ces vidéos. Il y a des subtilités, évidemment, il faut connaître les cartes, il faut les lire, il faut connaître les symboles. Mais c'est très vite expliqué. C'est très vite pris en main, Forêt Mixte. Mais pour autant, et c'est ça qui est génial, c'est assez complexe. On le prend vite en main, mais on joue beaucoup de parties avant de le maîtriser. On essaye beaucoup de choses. Il y a plein de manières de gagner, il y a plein d'écosystèmes à faire, etc., etc. Forêt Mixte, c'est original. C'est agréable à jouer. Ça se joue de 2 à 5. Les parties durent à peu près une heure. Et c'est à partir de 10 ans et plus, sans aucun problème. Il sera peut-être à l'As d'Or, ce jeu-là. C'est un peu le jeu de la fin d'année pour moi. Paisible, sympathique et qui fonctionne très bien. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je veux juste vous dire, essayez-le. Construisez votre forêt avec ces jolis petits animaux. Ah oui, dernière chose, ça se veut un petit peu réaliste. Hein. Il y a une espèce de logique derrière tout ça. Ce sont des animaux qui existent, ce sont des arbres qui existent, etc. Donc ce thème de la nature qui, hop, vous envahit. Vous jouez à ça en buvant un petit thé, et vous êtes bien. Allez les amis, je vous laisse. Jouez à Forêt Mixte. Retrouvez-le sur aquonjoue.ch, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.